Rebonsoir à tout frère et soeur qui sont réseau panel groupe Jésus-Christ 100% la vie. Nous disons bon Dieu merci parce que nous l'avons toujours, nous avons les mêmes celles méritées. Sujet nous, c'est thème nous, c'est l'homme. Sujet c'est les trois dimensions de l'homme. Et mes sciences qui étudient l'homme, non, les anthropologie. Anthropologie, c'est l'étude de l'homme, les sciences humaines et net qui fait théologie sur groupe là qu'on est très bien et qui ça anthropologie parce que vous faites pour ça pendant une session ou des sessions dans la faculté de sciences humaines et théologie et ces sciences qui étudient l'homme qui c'est anthropologie. Ok, et qu'est-ce que l'homme d'après scientifiques yo dit l'homme c'est un produit d'évolution qui est lié. C'est ça, next scientifique qui dit, théorème de Darwin. Mais qui ça la Bible dit nous-mêmes? En tant que croyants, et qui ça la Bible a dit nous? Bible a dit nous, dans Genèse 1, verset 26, Dieu crée l'homme avec image. C'est ça la Bible dit nous. Et dans la création mondiale, bon Dieu prend 6 jours pour le créer. Ciel avec terre et septième jour du reposer le jour du sabbat. Si nous faisons une petite parenthèse et théologien vous fait comprendre que 6 jours ça représentait 6000 ans depuis terre lui-même Dieu t'a créé. OK, de Adam Abraham bon 2000 ans, de Abraham à Jésus-Christ bon, 2000 ans, 10 plus 2 pour 4000 ans. De Jésus-Christ à nous-mêmes, je ne vous dis pas. 4 plus 2000 ans, bail 6000 ans. Eh bien, tout le jour, je fais comprendre que 7e jour qui représente 1000 ans, eh bien, c'est le repos qui c'est le royaume de Jésus-Christ qui va venir établir sous terre ça. Nous faisons OK? Et Dieu lui-même, il prend 6 jours pour faire toute création. Hein? Et tout ça, bon Dieu fait. Il était aussi très bon et très belle, eh bien, tu mon bagaille sous terre qui pour te couronner, création mondiale, et eh bien, Dieu était obligé de créer l'homme qui a une ressemblance, li, qui semble avec lui. Eh bien, la Bible dit nous que Dieu descend, il prend terre, poussière de la terre, et il forme l'homme, et après ça, il souffle. En dans l'homme souffle des vies. Et la Bible dit que l'homme devient un être vivant. Ok? Et souffle des vies, qui dit souffler dans l'homme, non, c'est l'esprit. Et mais le souffle des vies, ça rentre en dans Adam. Et bien, souffle des vies, ça, l'y créer l'esprit Adam et l'y créer âme Adam. L'homme, non, vient de 3 parties. Corps côté Dieu créé avec poussière de la terre et puis tout les souffler souffle des villes dans l'homme non et puis tout l'esprit l'homme non vient créer et l'âme l'homme non vient créer l'homme vient en 3 dimensions corps l'esprit l'âme maintenant 3 ça yo qui est-ce qui commandait niveau 1 l'esprit de l'homme. Niveau 2, l'âme de l'homme. Niveau 3, le corps de l'homme. L'homme n'a en 3 dimensions et de même Dieu en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu égal à 3 personnes. Dieu le Père avant, après ça, Dieu le Saint-Esprit, entre guillemets, Jésus-Christ. Dieu le Fils, entre guillemets, Jésus-Christ, excusez-nous. Et puis troisièmement, Dieu le Saint-Esprit qui est le Saint-Esprit de Dieu qui habitait dans le cœur, qui habitait dans le cœur, journée, jeudi. OK. Mais, et au niveau des divinités, ni Dieu le Père, ni Dieu le Fils, ni Dieu le Saint-Esprit, tous les 3 ça, ils sont égaux au niveau des divinité, au niveau des puissances, au niveau des autorités.
Mais au niveau des hiérarchies, il n'y a pas égal. Exemple. Et nous sous groupe là. Pasteur Jimmy, Madame Lee, rigueur comme administrateur général premier homme. Après, monsieur et madame Jimmy. OK? Mais nous tous sous groupe là, nous tous égales. Nous tous c'est l'homme. Mais au niveau des hiérarchies, nous pas égales. Qu'est-ce que c'est groupe là? Mettre groupe là, c'est Pasteur Jimmy et Madame Lee. Après ça, qu'est-ce qu'il y a comme mode cap de groupe là? C'est rigueur. Nous tous ces mondes, nous tous égales, mais nous pas même pas les mêmes fonctions. Parce que rigueur pas les mêmes fonctions avec Pasteur Jimmy. Et nous-mêmes, les combattants, nous pas les mêmes fonctions avec rigueur. Est-ce que nous sommes d'accord? On n'a pas avancé. Et de même tout, Dieu le Père, c'est lui-même qui commandait. C'est lui-même qui a dirigé. OK? Dieu le Fils soumet à Dieu le Père. Jésus-Christ dit, et m'a fait volonté papa. Tout ça, papa me dit, me fait m'a fait. Et le Saint-Esprit soumet avec Jésus-Christ. Dieu le Père a envoyé son Fils. Jésus-Christ monte livré cet esprit. Est-ce que là, n'a pas avancé? En effet, pour l'homme, l'homme, c'est l'esprit de l'homme, nomme l'homme, soumettre l'esprit de l'homme supérieur avec nomme l'homme. Nomme l'homme supérieur avec corps physique l'homme. Qu'est-ce qui commande? L'esprit de l'homme, après ça, l'âme de l'homme, après ça, le corps de l'homme. N'a pas avancé. Qui ça l'homme nan yé? L'homme nan, c'est un esprit qui habite dans un corps physique et qui yon âme là dans le tout. Mais trois parties ça yo, yon très distinct, yon séparé. Est-ce que là? Yon séparé. L'homme nan, vraiment même, chaque homme yon trois parties là dedans. Et comme si m'dadzou, wid mari kaido, il y a trois rues de Marie Kaïdor. Il y a le corps de Marie Kaïdor. Il y a l'esprit de Marie Kaïdor. Il y a l'âme de Marie Kaïdor. Chaque monde qui est sous groupe là, il y a trois mondes. Autrement dit, chaque monde qui a vu sauter ça, il y a en trois. Corps, âme, esprit. Vrai ou même non, c'est esprit à lui-même. Ok? Vrai ou même, c'est l'esprit. Mais il dit qu'on s'accueille l'esprit à. Il y a une forme. Corps physique là. Qui ça l'esprit l'homme naïe? Esprit vient du mot grec pneuma qui signifie vent, souffle et esprit tout. OK? Signifie et vent, souffle, esprit. Par définition qui ça l'esprit l'homme nan yi? Yo di l'esprit l'homme nan c'est dimension intérieure qui invisible qui en relation avec le monde spirituel, plus particulièrement en relation avec Dieu lui-même. Esprit humain lui-même, il gen relation, chaque partie yo gen relation avec contact avec et objet par yo, peut-être m'expliquer comme ça. L'esprit à lui-même, il gain contact avec Dieu parce que c'est esprit qui est lié. Dieu c'est esprit et tout le monde qui a servi doit servir en esprit et en vérité. Mais l'esprit nous, il gain contact avec Dieu, autrement dit avec le monde matériel et le monde et spirituel lui-même. Mais depuis le, on est tourné dans le livre Genèse là, depuis le que l'homme n'a vint péché, et bien Dieu te dit l'homme n'a, depuis le manger fruit qui connaissait bien avec mal là, il a mouru. Nous connaissons très bien la mort ça, il y a trois aspects, spirituel et physique, et puis éternel. Mais l'homme n'a pas mouru
physiquement, l'elle te fin manje suya. L'homme nan li même, li pa mouri physiquement, et l'elle te fin manje suya. Li pa mouri éternel, mais elle te mouri spirituellement. La mort spirituelle, et c'est la séparation de l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Adam à Ève, ils mourent spirituellement, mais ils pas mourir physiquement, même côté A. Par la suite, ils étaient venus mourir physiquement, mais ils étaient vivants un paquet de temps. Est-ce là? Ok. Mais l'homme dans lui-même, il vient mourir spirituellement. Et d'après texte biblique, et ça me dit là, que l'Esprit bon Dieu convainc moi que l'homme non descendant Adam et il pas mourir spirituellement, il vient mourir spirituellement. Mes amis, l'homme en général, les Adam te mangé fia, Adam à Ève te mourir spirituellement. Il était séparé avec Dieu. Le témoin spirituellement, c'est l'esprit l'homme qui t'est séparé avec Dieu. Mais l'homme non, l'elle fait, lui prend nature péché à lui recevoir et nature péché à nan col. Lui pas recevoir nan âme et l'esprit. Vous pouvez trouver ça m'a de la li bizarre et m'a pour vous parler d'ex biblique. Il recevoir natif péché dans le corps physique. La chair donne naissance à la chair. Maman, papa, m'a couché ensemble, yo bay corps physique. Yo pas bay l'esprit. Yo pas bay nan moi. Maman m'a fait corps physique là. Mais quand il s'agit de l'esprit, et non moins l'esprit. Et non moins, ça sortit de Dieu carrément. L'esprit sorti de l'esprit. La chair sortit dans la chair. Ce que texte biblique, moi, quand qui fait me dit, l'homme dans lui-même, l'elle fait, ma parle de descendant Adam, yo. L'elle fait, il pas mourir spirituellement. Ça veut dire, il a une relation avec Dieu. Et nan nan tout, li pa mouri. Selon Ephésiens 2, verset 1. Basé sur des textes qui fait me dire ça. 1. Ephésiens 2, verset 1 dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. On a les textes là. Et version courante dit, vous étiez morts spirituellement par vos offenses, par vos actes et par vos péchés. Mais même les lui second, version courante, il n'y a pas de expliquer nous pour le dire nous, mais qui m'ont et nous te compte c'est la mort spirituelle qui est liée la mort ça. Mais apôtre Paul a parlé avec Pep Ephesa, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Qui ça te fait nous te mourir? Tenez bien, oui. Question posée. Qui ça te fait? Et mon apôtre Paul a écrit avec vous. Qui ça te fait ou te mourir? Eh bien, yo te mourir à cause des péchés. Vous étiez morts spirituellement par vos offenses et par vos péchés. Apôtre Paul pas dit, yo te mourir spirituellement. Pas péché Adam et Ève. Il pas dit, vous êtes mort par vos offenses et par vos péchés. Ou te mouri nan péché yo. La grande question, qui est l'homme qui a commencé à pécher? Je ne parle pas de Adam et Ève, je ne parle pas de nous-mêmes, je dis à qui fête. Ok, descend Adam yo. Qui est l'homme qui a commencé à faire pécher? Parce que les vins mourir spirituellement, pas péché lio, c'est péché lio qui fait le mourir spirituellement.
À se comprendre. Eh bien, c'est péché lio qui fait le mourir spirituellement. Qu'il est l'homme en fait, qu'il est le commencé, qu'il est l'immourir spirituellement. Parce que l'être humain en fait, il a l'âge, innocence. Bon, baron qu'il est quitté l'âge innocence là, mais là, son bébé, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, il a l'âge innocence. On y a les a, si mounan, l'hypoko mourir spirituellement parce que l'hypoko fait péché. On y a les si mounan vin quitter étape innocence, là, tombe dans l'étape conscience, il est capable de discerner le bien et le mal. On y a là, c'est là, si mounan, l'el péché, il vient mourir spirituellement. Parce que le texte a dit, vous étiez mort pas vos offenses et par vos péchés. Non, péchoyo, c'est péchoyo qui t'a fait ou mourir. Vous étiez mort par vos offenses et vos péchés. Pécho t'a fait yo, ou mourir à cause de yo. Mais qui l'est si mon vin péché, et mais c'est les li qui t'a étape innocence, la tombe l'étape conscience, et mais laisse ça li mourir spirituellement. Et pas de monde qui souhaite ça, cap vivre qui pas mourir spirituellement. Nous tous cap vivre qui pas accepter Jésus-Christ. Yo mourir spirituellement. Automatiquement, yo quitte étape innocence, yo tombe l'étape conscience, eh bien, yo capable discerner bien et mal, eh bien, si mounan, depuis le commet yon péché, li mourir spirituellement. Si là, si mounan, ça fait, le si mounan fait, s'il mourit dans le passage, s'il mourit dans 6 mois, 7 mois, 8 mois, avant li atteindre l'âge conscience, l'étape conscience là, depuis le mourir, l'a sauvé. Parce que les pas mourir spirituellement. Et péché, est-ce que péché Adam, il vient héritier dans le corps physique il y a. Jésus-Christ est mort pour ça déjà. Spirituellement, il pas mourir, mais depuis mourir dans ventre, dans comme si dans passage 2 mois, 3 mois, 4 mois, et bien, l'a gagné la vie. L'a sauvé. Deuxième texte encore pour nous. Appuyer tes noix, c'est Colossiens 2, verset 13. Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconscience de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ça qui est intéressant pour une partie A. Vous qui étiez mort par vos offenses, vous êtes mort spirituellement à cause du péché ou à fait. C'est pas à cause du péché Adam et Eva. C'est à cause du péché ou vin fait qui font cause ou mourir spirituellement. Mais là, t'es fait petit bébé blanche ou pas mourir et spirituellement. Ok? Et c'est révélation Sam de vos forêts. Ok? Et si bon Dieu t'a ouvert l'esprit sur le texte là. Quand y a là, nous parlons toujours l'esprit de l'homme, non? Côté l'esprit de l'homme habite lui-même. Qui côté l'esprit de l'homme là? L'homme a une tête, il a un ventre, il a une partie devant lui, il a un pied. Mais qui côté l'esprit de l'homme habite lui-même? Ok. L'esprit de l'homme lui-même, il habite dans le cœur. Ou bien dit, dans partie devant lui, plus précisément, handicap plutôt. Ok? Et qui ça, selon Jean 7, verset 38, et Proverbe 20, verset 7. Et selon version David là, il dit, celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves d'eau vives découleront de son ventre. Ça, c'est la juxtaposition dit. Et quel que soit le monde qui accepte Jésus-Christ là, il t'a parlé avec vous, il dit que, vous apprenez dans le verset et puis bas, que des fleuves de l'eau a coulé dans le sel. Mais sans ça, il représente pas Saint-Fia, non, mais il représente votre monde, comme monde. Et on a regardé dans le second qui c'est Jean 7, verset 38. Jean, le second, Jean 7, verset 38, il dit, 38, il dit,
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore. Ok? Ça veut dire que l'Esprit, l'homme dans lui-même, et il habitait dans que l'homme dans lui-même. Eh bien, les nous-mêmes, nous finissons accepter Jésus-Christ, eh bien, nous nés de nouveau, eh bien, Dieu, qu'on seul bagaille, il fait dans nous, eh bien, c'est l'esprit ça qui te mouille spirituellement, qui lui-même l'y recréer. Et Dieu, bon esprit, nouveau. Il vient bon nous, on a l'autre esprit. Esprit ça qui te mouille dans le péché, lio, dans l'offense, selon et Colossiens 2, verset 13, selon Éphésiens 2, verset 1er, eh bien, l'homme vient accepter Jésus-Christ. Eh bien, qui ça, cet esprit fait pour nous? Eh bien, il recrée l'esprit. L'esprit a quitté nous spirituellement. Eh bien, bon Dieu, recrée-le. Bon Dieu, bon, non, l'autre esprit, selon Ecclésias, Ézéchiel 36, verset 24 à 26. Eh bien, Dieu lui-même, il bon nous, il a l'autre esprit. Ok. Mais c'est celle bagaille que Dieu fait pour nous, l'accepter. L'esprit nous. Ok, il recrée-le. Eh bien, l'elfine recrée l'esprit nous. Eh bien, lui-même, il vient habiter dans l'esprit nous. Ça, nous-mêmes qui naissons de nouveau, nous venons posséder ça que l'est l'onction de la nouvelle naissance. Ok. L'onction de la nouvelle naissance, ça veut dire Saint-Esprit lui-même, il vient habiter dans que nous. Quel que soit le monde qui accepte Jésus-Christ qui naît de nouveau, aimer recevoir l'onction de la nouvelle naissance là. Ok. On a avancé. Et Saint-Esprit lui-même, il vient habiter dans que nous. Nous sommes les textes pour tout à l'heure, d'après Jean 7, verset 38. Côté et monde qui naît de nouveau, côté l'Esprit bon Dieu, a coulé dans Saint-Yo. Et nous connaissons que nous recevons et l'Esprit bon Dieu, et l'Esprit bon Dieu lui-même, d'y habiter et la cœur nous. Et l'Esprit bon Dieu l'habite la cœur nous. L'Esprit bon Dieu n'est pas habité dans la tête nous, n'est pas habité dans pied nous. Li pa habite nan, men li pa habite nan l'esprit nou. Et l'esprit l'homme nan, se yon kay. L'homme nan son temple. Ok. Dans l'Ancien Testament, et nou te wè ke, temple lan te gen 3 parti. Li te gen pavi eksteryor ki se di yowa. Li te gen lye saint ki te an da temple lan. Il te gen lye tre saint. Ok. Lye tre saint, se la l'âge de l'alliance santé dans cet ancien testament. Et sacrificateur, tu as accès pour entrer dans le lieu très saint une fois par année seulement, tu vas le faire, ça aurait les et sacrifice. Ok? Seulement ça, les ovales et vidissant sous l'âge de l'alliance en lui-même. C'est celle-là, ça. Ok? Mais c'est Dieu qui t'est habité dans le lieu très saint. Et de même tout, l'esprit nous représente le lieu très saint. Nomme nous représenter lui saint et puis corps nous représenter par vie extérieure et ça aurait les volontés nous les représenter et la voile du temple. OK? Et bien qui côté Dieu t'est habité dans le dans ce testament, c'est dans le lieu très saint. Et de même tout, et bien le corps physique qui c'est un temple, et bien Dieu lui-même il vient habiter côté ça que l'esprit nous. Et les Dieu t'est habité dans l'esprit nous. Nan se testaman nan temple lan, e ben moun pat kante la den kon sa, si la prezant de Diyo. E ben len aksepte Jezoukris, len nou le de nouvo, e ben l'Esprit bon Diyo li men, li vin habite nan nou men. Ok? L'Esprit bon Diyo vin habite nan l'Esprit nou, e pa gen moun ki kapab penetre l'Esprit ya. Satan pa kapab penetre l'Esprit ya, el kouvri nou, menm jantou, e ou pran yon kob ou mette l'on liv, ou couvril mon cher tout côté au passé comme la passe dans livre là même les pour la couvrir petit petit yo pas grand qu'arrivé yo et mais de même et mais les nous accepter Jésus-Christ et mais Dieu lui-même lui couvrir nous l'esprit nous et mais Dieu lui-même vient habiter là l'esprit nous les autres Dieu habiter là que nous c'est pas que ça cap pomper sang mais c'est l'esprit nous que Dieu lui-même lui couvrir et lui habiter là-dedans. OK, on a pas avancé toujours. Et nous voyons que l'Esprit bon Dieu lui-même n'est pas habité dans
Tête nous, il pas habité dans pointe nous, mais l'Esprit bon Dieu il habité et non l'Esprit nous. OK? On y a là, on a l'Esprit bon Dieu lui-même, toujours dans la première étape là qui c'est Esprit. OK? L'Esprit bon Dieu lui-même, il habite dans l'Esprit nous, qui c'est quoi nous. OK? Mais l'Esprit bon Dieu lui-même, il n'est pas parlé dans la tête nous. Mais l'Esprit bon Dieu parlé dans le cœur nous. On a regardé Romains 8, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16, dit nous. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Remarquez que ça dit. L'Esprit, premier l'Esprit a, il écrit à. Remarquez, premier l'Esprit a, il écrit avec grand E. C'est l'Esprit de Dieu. Deuxième Esprit a, c'est l'Esprit de l'homme. Nous sommes capables de dire comme ça. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Remarquez, à qui est-ce que l'Esprit bon Dieu parlait? L'Esprit bon Dieu dit parler avec l'Esprit, non. Il pas dit l'Esprit bon Dieu parler avec corps physique, non. Texte n'a pas dit l'Esprit bon Dieu parler à nom, non. Mais il est dit l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes petits bon Dieu. Automatiquement, on accepte Jésus-Christ. Eh bien, on est de nouveau. Eh bien, l'Esprit bon Dieu communique ça dans l'esprit aussi petit bon Dieu laisse ça ou passer de la mort à la vie. OK? Par l'autre côté, l'Esprit bon Dieu parle avec nous. Eh bien, il parle avec nous dans que nous. Dans l'esprit, nous, il y a deux domaines. OK? Il y a sacré les consciences, il y a sacré les intuitions. Ça, c'est dans l'esprit de l'homme. Il y a deux éléments, ça, il y a deux domaines, ça, qui c'est conscience, qui c'est l'intuition. Avant tout, qui sa conscience? Quitte ou accepter Jésus-Christ, quitte ou pas accepter Jésus-Christ, eh bien, l'homme n'a pas conscience. Une conscience dans l'échita, dans l'esprit l'homme. L'intuition chita dans l'esprit l'homme. Il parle de corps physique, il n'est pas chita dans l'amour, mais ni conscience, ni l'intuition, côté où habiter, côté où fait siège, eh bien, il fait siège dans l'esprit l'homme, dans lui-même. Okay. Qui sa conscience? La conscience. Je veux dire qu'on que conscience, c'est on voit. Ou gen an dan, li kapab aplodi ou, otoman di, li kapab di sofa li biye, li kapab jije ou, li kapab pa jije ou. Se on vwa ki an dan. Depi ke ou fe yon bagay ki pa bon, e me konsyans ou di, mon chè, sofa pa bon, li reproche ou. Eh bien, depuis le repos, eh bien, c'est dit, il dit, sauf faire pas bon. Après, tu peux dire, si tu as menti, eh bien, conscience moins, tu as reproché. Ok? Ni qui tout chrétien, qui tout pas chrétien, eh bien, conscience ça, de chita, dans l'esprit. Ok? Si on voit en don cap dit, mon cher, sauf faire pas bon, mon cher, sauf faire, il est bon. Ok? Et conscience nous lui-même, nous c'est croyants, conscience nous lui-même de purifier selon Hébreux 10 et 22 depuis là que nous né de nouveau et mais conscience nous-même qui ça le fait lui-même de purifier lui-même Hébreux 10 verset 22 qui ça le dit Hébreux 10 verset 22 il dit comme ça que approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi,
Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une corps d'une eau pure. Conscience sont les mêmes, les purifiés lorsqu'on accepte Jésus-Christ. Parce que quand cet esprit lui-même habitait, cet esprit habitait dans l'esprit nous, et bien l'esprit nous parfait. Et l'esprit nous pas qu'à pécher parce que Dieu lui-même il habitait dans l'esprit, parce que Dieu lui-même lui couvrait l'esprit nous. L'esprit ça lui-même il pas qu'à pécher. C'est que ça dit, celui qui est de Dieu ne pèche plus. C'est l'esprit nous qui naît de Dieu, il n'est pas péché encore, ok? Et mais l'esprit de Dieu, il purifie conscience nous. Alors c'est conscience l'homme, conscience païen, il n'est pas purifié parce qu'il est mort spirituellement, mais conscience pas, à conscience pas, il est purifié parce que Dieu lui-même, il est nous de nouveau et puis il habite et dans l'esprit nous. Et bien, là nous faisons péché, et bien l'esprit bon Dieu parle dans conscience nous et puis tout nous répand. Nous repentir. Grand pile chrétien qui dit comme ça que l'Esprit bon Dieu convainc de péché. L'Esprit bon Dieu pas convainc croyant de péché. Parce que dans le livre Jean, Bible a dit l'Esprit bon Dieu a convainc le monde de péché. Nous pas fait partie du monde là. OK? Elle dit l'Esprit bon Dieu parce que conscience nous si on voit en dedans nous qu'a parler, ça ne fait à bon, ça ne pas fait à bon, et bien Dieu lui-même l'y purifier, Dieu parler dans conscience ou et puis conscience ou communique ou ça, ou senti ça fait pas bon, et bien c'est l'Esprit bon Dieu qui parle dans conscience ou, et puis il dit ça fait à quel ou pas bon, et pour ou mande bon Dieu grâce, ok? Deuxième passé à, qui c'est l'intuition. Avant d'aller l'intuition, de pour pécher, conscience ou après pour chaud. C'est pas tête ou qui pourrait pour chaud, des péchés. Ce n'est pas le corps physique qui peut reprocher des péchés, mais c'est l'esprit qui en don, mais c'est l'esprit bon Dieu qui en don, à travers conscience où il reproche au péché. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est l'esprit bon Dieu a communiqué ça en conscience où, et puis conscience ça qui si on voit en don, la dit serviteur, sauf à pas bon, c'est votre sauf à pas bon, c'est en don qui produit ça. Tête ou dit ou ça, t'es capable d'utiliser tête ou, nous gué pour nous ça. Ok? Système de pensée, t'es capable d'utiliser, mais pas capable d'utiliser cœur, des pour corps. Condamne-nous, mon cher au péché. Pas de débat sur là, c'est cet esprit qui est dans le corps, des pour cœur, du fait un bagaille, c'est cet esprit du fait, parce que cet esprit habité dans cœur nous. Qui ça? L'intuition y est. Ok? L'intuition, c'est un sentiment de paix ou de troubles qui n'en nous. Mais c'est l'issortie à l'extérieur lui-même, d'y rentrer dedans. Alors que, la conscience là, li en dedans, l'issortie dehors. L'intuition, ok? Ça a les pressentiments tout. L'intuition, c'est un sentiment de paix ou de troubles. Ça qui arrive, c'est pas conscience ou qu'on parle, mais c'est intuition. Moi, j'aime sentir qu'on parle qui a passé. Mon bon témoignage, depuis que son ville n'a fait coup, et pour nous enseigner, on n'a pas fait ça encore. Et puis, je senti qu'on bagaille qui parle passer depuis son ville. Pendant ce maintenant. J'ai un pressentiment ça, mais c'est pas ni l'esprit de Dieu qui communique ça. Ni pas ni conscience même dit ça, même senti bon bagage qui va le passer. Effectivement, même si maintenant, toute époque pays chaud, ZAPTA, eh bien, Pétionville chaud couvert lampe. Mais, avantage pour moi, c'est l'aime fin arriver là, après 30 minutes pause, nous sommes fait coup, nous arrivons là, puis c'est empêté en l'air. Cartouche à tirer, caoutchouc à bouler. Mais, institution, t'es guettant, communique comme ça. Je me sens pas qui troublé. Vous comprenez? Je me sens pas qui pas le fait. Et même j'en tout, là que conscience ou pas parler avec vous, en tant que chrétien, ou pas le fond bagaille, ou senti en don troublé ou, et mais c'est votre institution qui a parlé. Ou qu'a fin fait bagaille là, ou senti, ou paniqué, en don paniqué, ou sens ou ta monté, mon sens en don pas d'accord.
Mais bon, je n'ai pas communiqué comme ça. Mon senti, ah non, pas d'accord. Hein, mais c'est l'institution lui-même et qui n'a pas parlé. Et c'est là, nous camper. Et voici long. Et mercredi prochain, nous allons partager l'âme et le corps avec vous. J'ai envie de finir, mais il est trop long. Si nous finir, nous prenons pile le temps et nous pas voulons prendre toute voix à vous. Ok? Mercredi prochain, nous fait suite les trois dimensions de l'homme. Et bien, je vous dis à noter ouais, l'esprit de l'homme. Et bien, mercredi prochain, nous prenons l'âme et le corps. Et notez ouais, que et l'homme, c'est un esprit qui habitait dans un corps physique, ok, de posséder yon âme, et nous te que l'esprit bon Dieu habitait nan ke l'homme nan, avant ça que nous te que avant ça nous te que et l'esprit l'homme nan, c'est une partie de valeur de chita liye, plus particulièrement nan ke, ok, et puis tout nous te que l'esprit bon Dieu lui-même, il pas habiter l'autre côté. C'est dans l'esprit l'homme là, lié. Nous avons l'esprit l'homme là, tu as deux éléments, il y a conscience, il y a intuition. Conscience et si on voit un don, conscience si on voit un don qui parle, sauf faire à bon, sauf faire à pas bon. Un don qui dit ça, alors c'est l'intuition, si on voit lui-même qu'il va communiquer ou un pressentiment et bon bagaille et qui parle fait. C'est l'esprit pas tout ça, mon senti, ou troublé, ou paniqué. Et c'est là nous camper. Et nous avons tout conscience en l'été purifiée par rapport à Hébreux 10, le verset 22. Et mercredi prochain, nous allons retourner pour nous porter et l'autre départio qui c'est l'âme et le corps. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu fortifie nous.